Bon, nous voilà repartis. Alors là, on était parti pour. On vient d'arriver sur cette planète. On va bien voir ce qui se passe. Là, fais voir, programme de protection. Afin qu'il se concentre sur la protection des entités biologiques. Reprogramme le droïde. On vient de rencontrer ce droïde là qui nous suit malgré nous. Donc là, il est en mode DPS. Là, il est en mode tank s'il faut. Et là, il est en mode soin. C'est ça, hein. Bon, bah écoutez. On va essayer sans le droïde hein, pour l'instant. On va bien voir ce que ça donne. Il remplace plus ou moins notre partenaire, hein, j'ai envie de dire. Il va pas rejoindre hein, l'équipe des droïdes d'entretien. Oh, mais si, il m'aide malgré moi, là, c'est quoi ces conneries? Il m'aide déjà, là. Alors, je vais le mettre en mode DPS, tu sais quoi? Arrêtez de changer ma programmation, j'ai la tête qui tourne. Même en temps normal, il t'attaque quand même. Oh putain, mais on les one-shot, c'est quoi ces conneries, là? Un droïde dissipateur. Voir s'il est puissant, là. Ouais, ça a pas l'air dégueulasse. Bon, ben, tant qu'il est là, lui, on risque pas trop de galérer, hein, je pense. Tu sais pourquoi il y a des partenaires et pourquoi il y a des trucs comme ça, là, qui te soignent, etc., là? C'est parce que... Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien, en fait. Hein. J'allais dire... C'est parce que toutes les... C'est quoi, ce truc? Ouais, c'est bourré d'éléments histoire, ici. Hein. Tu peux en apprendre plus. T'as des journaux avec des mecs qui parlent, etc. Bah, c'est... J'allais dire, c'est parce que toutes les classes ne sont pas capables de se soigner. Bah oui et non. Hein. Je pense que toutes les classes doivent avoir ce truc-là. Pas sous cette forme. Encore une fois, les Jedi, c'est méditation, etc. Mais je pense que... Élément histoire. Ariès. Oui, tu vois, c'est les signes du zodiaque, hein. Gémini, Scorpio. Prends ça. Ariès, c'est bélier. Hein. Prends ça. Attaque bélier, Pikachu. Si, si, peut-être que toutes les classes ont, même les agents impériaux, tout ça, ils ont bien des medipacks et ce genre de trucs, hein, aussi. Mais après, c'est différent de... Tu vois, 1 sur 5. Hein. Et je crois que j'avais pas réussi cette quête bonus. Je les avais pas tous trouvés. Dans ma... On doit fouiller, hein, cet endroit. Dans ma première partie. Ou alors, c'est ce truc-là qui m'avait posé problème. J'avais pas trouvé tous les journaux. Prends ça. Moi, à Napoli, depuis 2 journaux. Finita la vadrouilla. Prends ça. Tu vois, il est utile, hein, ce droïde. Dommage qu'il est pas là tout le temps. Parce que je peux pas le virer, hein. Je vais essayer de faire clic droit. Droïde, fais voir si je fais clic droit, là. Ouais, tu vois, je peux pas l'effacer. J'ai essayé, ça marche pas. Prends ça. Il est obligé de nous a... What? Ils sont tous morts, là. C'est lui qui les a tués. J'en ai attaqué que un, hein. Quoi, ce délire, là? C'est des droïdes défectueux. Alors, tu nous vends de la camelote? But. C'est lui qui fonctionne, je vais le prendre. Prends ça. Le rouge, c'est celui-là que je vais prendre. Bon bah écoute, sérieux. On va y rester un moment hein, sur cette planète, c'est assez horrible. Ça dure assez longtemps. On va bien voir si c'est difficile ou pas. Mais rien que ça, ça va prendre des plombes. Et après, il reste encore 5 ou 6 chapitres, donc on n'est pas prêt de faire Jedi Fallen Order et... Under Siege, plutôt. et mes couilles. Allez, je vais le mettre en mode soin. On est en extérieur, on est sur la planète Kamino. C'est le foutoir, ici. La technolite. C'est ça, le droïde? Je suis Ariès. Je n'en ai pas l'air, mais je suis un droïde. Une espèce d'interface. Je suis arrivé ici à bord d'un... Redéfinir, erreur. Eh bien voilà, tout est clair. Hein? Que faites-vous ici?
Vous le prenez plutôt bien. Grâce aux étoiles, vous êtes vivant. Nous sommes échoués sur une planète inconnue et on... Il est arrivé derrière nous. J'ai l'habitude, vous inquiétez pas. Tuez-les! Les chevaliers de Zakel. Et la nuée de droïdes. Voilà. Ah ben, il est revenu. Ah, même ça, c'est pas bien pour nous, ça. Il est revenu en tant que partenaire, mais j'ai plus mon droïde. Hein. Donc, à partir de maintenant, on est livré à nous-mêmes. Alors, est-ce que j'ai utilisé son soin à lui, là? Je sais plus. Mais arrête tes conneries, tu vas pas me faire croire qu'on est obligé de tous les tuer, là. On s'en fout, ils sont en train de se battre, on passe, on va te faire foutre. On va focus les droïdes. Prends ça. Je vais éviter d'utiliser le cri, hein, pour l'instant. Je vais les laisser s'attaquer, voilà. Là, par contre, je devrais pouvoir le faire. Oh putain, j'aurais tué plein, là. J'aurais touché plein. Si je génère trop de menaces, ça va pas aller. Prends ça. Je vais essayer de réduire leur nombre. C'est le bordel, hein, sérieux. 8. Prenez ça, je vous ai assez vu. Voilà, t'as vu? Les droïdes, c'est fini. Capri, c'est fini. Et voilà. Ouf! Ah, ça l'a rappelé tout de suite. Où sont les autres? Vous croyez qu'il y a une chance qu'ils aient survécu? C'est pas vous que j'aurais voulu retrouver en premier. Merci, commandant. C'est sympa. Allez, purifiez ailleurs. Prenez ça. Purifie ça. C'est un petit peu ça. Là, ça va durer un petit moment, en sérieux. Tant pis pour eux. On ne va pas s'ennuyer. Dommage qu'ils ne puissent pas parler. Ils étaient prisonniers comme nous. Je suis ravi que l'ennemi nous ait suivis. Quelque chose nous a flanqué ensemble pour une raison. Un genre de test. Commandant, répondez. C'est Théron. Je vous reçois. Enfin, vous voilà. J'essaye de vous joindre depuis des siècles. En croisant très fort les doigts. Saleté de 4G. Voici, vous passez une sale journée. Une lumière aveuglante. Putain de Wi-Fi. Nous sommes déjà moins seuls, je veux des faits, pas un roman, on nage en plein mystère. Je suis avec Thorian. Ma journée est loin d'être, j'ai trouvé. Palpitante, les coordonnées, excellent travail Théron, rassembler l'équipe, c'est la guerre. C'est la meilleure nouvelle de toute la journée. Je m'en occupe. Méline était à bord. Allez-y, faites attention. On ne sait pas ce qui peut nous tomber dessus sur cette planète. C'est ça le progrès. Une planète... Elle est en mode... internée. En mode... dans un asile. Une espèce de maison pour les fous. Où est ma camisole? Ça va chier. Sérieux... C'est la construction des planètes. Une planète construite. Ça arrivera, hein, s'il faut. Les idiots. Ils ont oublié de m'enlever mes pouvoirs. Et voilà Texan. Donc c'est leur frère, hein, qui est... Enfin, c'est une vision, je suppose. Que Arcane avait tué. Silence. Pas moi. Je sais que tu n'es qu'une vision. Donc le mystère s'épaissit, c'est le gros foutoir. Prudence. Ouais, bien joué, je peux prendre la monture. Quoi, faut aller au sud? Allez, c'est parti. C'est déjà pas mal. Oh putain, c'est quoi ça? Je peux plus l'utiliser. Ah, ah, je peux plus l'utiliser, mais j'ai pu l'utiliser pendant quelques temps déjà. C'est quoi ça? Faut pas me faire freeze comme ça, là, j'ai cru que j'étais mort. Je vais me soigner. Attention, parce que ça te met des debuffs. Hein. Ça te continue de faire des dégâts pendant quelques temps. Je vais essayer de passer au bon moment. C'est parti. Ah merde, c'est pas là. C'est à droite.
C'est quoi ce truc là? Oh. Wow. Il a pas déclenché le combat, t'as vu? Brut. Bon, tant qu'on n'est pas hein, obligé de s'enfuir, ah merde, obligé de combattre, on y va. Ça a fait pop un droïde de merde là. Ah, attention. Juste à côté, mais il a pas déclenché le combat. J'ai pu passer comme si de rien n'était. Attention. C'est bon, ils attaquent là. Ils sont occupés. Ah merde, qu'est-ce qu'il fout là? Ah putain, on s'est fait aggro par plein de mobs là. Culé, parce que lui il était pas en combat. Ah, je suis obligé de les tuer. Prends ça! C'est dommage. C'est un petit contre-temps. Je vais tuer le droïde! Il faudrait le tuer. Là, s'il avait resté... C'est plus ou moins ce que je voulais vous dire. Prends ça. Voilà, c'est un peu mieux. En fait, si... tu vois, il y avait un truc comme ça, là. Un autre droïde, je le veux! Pour me soigner et tout. Eh bien... Admettons, il restait deux Akel comme ça, là. Et un autre, là, qui se combat avec le droïde. Si tu tues le droïde, les trois autres vont t'attaquer. Donc il valait mieux commencer par le Zakel. Et on y va. Oh putain, saloperie. J'ai pas réussi à passer. Et il y en a d'autres qui arrivent, bien joué. Foiré. Saleté de droïde de sécurité. Brut. C'est ça qui est dommage. Hein. Enfin, ça t'oblige comme d'habitude à faire les proies dans le bon ordre, etc. Putain, 4. Incroyable. Et on y va. Bien joué. Ça faisait longtemps. On n'avait pas eu un droïde gonk. Une conk. Donc on va bien voir ce que ça nous réserve, hein, cette planète. Mais ça risque d'être costaud. Je me souviens qu'il y avait des trucs vraiment pas faciles. Allez, bien joué. On a retrouvé Terron, apparemment. Il nous siffle. Ça veut dire quoi, ça? Vous me trouvez hot. On est sur hot. Comment se porte Vett? Tu vois, pourquoi Vett... La dernière fois que j'ai vu Vett, ah oui, voilà pourquoi. Je pense que c'est pas pour le fait qu'elle était... elle est secouée, mais vous inquiétez pas. Elle s'en sortira. Pour être n'importe où. Il vient de cette planète, parlez-moi de cet endroit, je veux juste la tête de Veilin. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir sur cet endroit? Eh bien, pas grand-chose. C'est une planète artificielle, vous savez. Elle n'est pas sur les cartes. Ouais. Vett. C'est à cet endroit-là qu'on n'a plus de partenaire. C'est dans cet endroit-là qu'il y a cette histoire de mobs qui vont arriver de partout, hein, regarde. Je crois que c'est ici. Je crois qu'il y en a qui vont arriver de là. D'autres qui vont arriver de là, etc. D'autres qui vont arriver de là. Il va falloir se mettre ici et protéger Vett pendant qu'elle est en train de désactiver ce truc. C'est maintenant. Quoique. Bonjour, commandant. Bien joué. Je sais plus si c'est
Vette, je me suis fait un sang d'encre. Oh non, c'est oublié, regardez. Attendez de voir ce que cette chose veut nous raconter. Je vais beaucoup mieux. Les reliques cassées ne nous servent à rien, j'espère que c'est positif. Du calme, Vette. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. Je te dis ça parce que on se connaît depuis longtemps. Je soufflerai. T'es mon premier coéquipier. Sinon, j'aurais rien dit. Bienvenue sur Yoka. Abrège et parle-nous de Scorpion. Ces inventions. Abrège, imbécile. Scorpion disait vrai, toi aussi t'en fais partie des armes que je compte utiliser. Et toi, Ariès, es-tu... On m'a conçu pour rassembler. Distribué, merci pour votre question. 3000 ans. Les droïdes, c'est affreux. Yoka au service de Valcorion, mène-moi à ces créatures. Planète fait partie. Yoka. Jocaste. Alvernio. Toi. Arcane t'a tué il y a plusieurs années, Texan. Pourquoi avoir attendu si... Où étais-tu pendant tout ce temps? Je suis là aujourd'hui. Les apparitions, cette famille. Tout ce que tu pourrais faire. Quand j'étais en cage, m'a apporté des cadeaux. Dis-moi ce que... Exterminer notre ennemi. Il se passe quelque chose de bizarre et d'imprévu. Me regardez pas comme ça, hein. C'est une bonne question, par quel moyen appelles-tu libre de te détruire? Ça dépend. On est sûr que je suis prisonnière dans un endroit inconnu. Pas en captivité, intervenir, libérer, mourront. Ça n'arrivera jamais. Tu as du culot après tout ce que tu as fait. On peut pas lui faire confiance. Eh ben, je me suis peut-être trompé. Voilà, c'est parti, hein. C'est là la séquence mes couilles, là. Est-ce qu'on est avec des... Ouais. C'est qui? C'est Vette. Oh putain, il y a tout ce monde, là. Ok, d'accord. C'est reparti. Voilà, c'est reparti, effectivement. C'est maintenant la séquence de ouf, là, dont je vous parlais. Mais il y a plein de monde avec nous. Mais peut-être qu'il risque de se faire... Ah oui, quand même, ça rigole pas, le DPS. Il faut tenir la position. Tuer les organiques. Ils vont foutre des déchets partout. Mais en fait, ce que tu dois faire, là, c'est vraiment focus la même cible que eux. Hein. Regarde, tu vois. Pour que ça aille plus vite, hein. Sinon ça va chier. Attention, cette séquence-là, c'est pas évident. On a tôt fait de s'en prendre plein la gueule. Hein. Voilà, moi ça, y a plein de monde, là. C'est affreux. Prenez ça. Il faut... Rends-moi ça, il y a du monde, mais sans arrêt. C'est abusé. Un droïde lourd. Une décision lourde de conséquences. Regarde les points de vie, comment ça baisse, c'est ridicule, là-haut. Mais je peux rien faire, c'est pourri, putain. Mais c'est de la merde. C'est nul à chier, putain. Qu'est-ce que je pouvais faire, là? T'as vu ça, comme ça a descendu mes points de vie? Faut tout refaire, hein, Jackie, bonne chance. Hein. Et j'ai plus de cooldown, bien joué. C'est pourri, putain, c'est de la merde. Qu'est-ce que j'y fasse, moi? Première vague, on les marave en 2-2. Bien joué, j'ai même pas... Je me fais shooter. Droïde dévastation. Je vais essayer de procéder différemment, hein, tu sais quoi. Je vais attaquer uniquement ceux qui m'attaquent. Ah ben là, pour l'instant, il y a beaucoup de monde. Hein. Neutraliser les menaces. Regarde, je vais laisser les autres faire. Quoique... Et ils font le taf, hein, regarde. Et puis eux, ils craignent rien, hein. Lui, il m'attaque, là. Prends ça. Qui c'est qui m'attaque, bordel de cul, là? Ils sont nombreux, c'est un truc de fou.
Pouah, mais t'es pas sérieux. Putain, c'est complètement pourri cette séquence, hein. Tu vois, je plaisantais pas, hein. Je rigolais pas, hein, quand je te disais que c'était de la merde et c'était super relou. C'est complètement naze. Mais il y a des checkpoints, normalement. Si c'est comme sur Voss, prends ça. Tu devrais... Mais là, ça revient à l'infini. Il y en a des dizaines et des dizaines. C'est horrible. C'est affreux. Prends ça. Ils sont horribles, hein, ces mobs. Il faut éviter d'aller là-dedans, hein, tu vois. C'est là où ils pop, t'as vu. Faut éviter de s'éloigner trop. Hein. Comme j'ai fait là, c'est pas terrible. Hein. Mais au moins, tu vois, ça l'est. Mais ils sortent de trois endroits différents, c'est affreux. Ah, ça remarque, c'est pas trop mal ce qu'on fait là, quoique. Je vais essayer de survivre, hein, pendant. Je me soigne. Voilà, Lana. Prends ça. Je vais essayer de survivre jusqu'à 2 secondes. Là, bizarrement, on va tous y passer. Ça peut être droïde. Focuser cet abruti. Eh, remarque, on n'est pas trop dégueulasse là. Ah putain, ces trucs là qui m'empêchent de sauter. On n'est pas trop dégueulasse là, j'ai l'impression. On va rester ici, tu sais quoi. Tuez-les tous, je les ai assez vus. Allez vite, faut y aller. Là. Allez Patrick, il est temps d'y aller. Là. Oh, ça y est. T'es sérieux, là. Bah étonnamment, c'est, il semblerait que c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Tu te mets à une porte. Ensuite, jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous, parce qu'au bout d'un moment, ils vont arrêter de pop. Hein. Et après, tu passes à l'autre, etc. On a bien géré. On aurait pu beaucoup plus galérer que ça. C'est quand tu veux, Jackie. C'est quoi, ça? Des décos ou quoi, là? Eh ben, qu'est-ce qui se passe, là? Même si ça bug, ça m'étonnerait qu'on ait tout à refaire. Hein. Mais! C'est une putain de blague, là. Je vais être obligé de quitter le jeu. Mais ça a validé la quête. Donc, putain, mais... Je vais être obligé de fermer le jeu sauvage et de le relancer. Hein. Bon, c'est complètement débile. Bon, allez, à de suite. Bon, nous voilà de retour. Alors là, j'ai fermé sauvage, hein, le jeu, et je suis revenu ici. Normalement, ça va relancer la même cinématique avec la vue sur la porte, etc. Quand je vais parler à Vett, regardez... Oui ou non? Normalement, ça devrait faire ça. Hein. Oh oh. Bah non, c'est pas la même chose, là. C'est bizarre. Si, si, normalement, ça devrait être celle-là, hein, je pense. Je pense qu'on n'a rien raté. Oh non, ça recommence! On n'en a pas eu assez! Prenez ça! Je vais détruire ce panneau, comme ça on pourra plus sortir. Ouais, c'est bizarre. Hein. Et voilà le travail. Vous en êtes sûr? J'ai du monde à tuer, beau boulot, Terron. Ça nous fera gagner du temps, mais ces droïdes trouveront un autre accès. Non, mais s'il faut, c'est ça. Commandant, il y a un gros droïde qui arrive. Rien ne me résiste. Je pense que c'est ça qui aurait dû se passer, hein, si... On commençait à me gonfler avec vos histoires de famille, là. Tu te rappelles pourquoi tu t'es trouvé? Oula! Il se passe des trucs pas très catholiques entre frères et sœurs, là. Parce que tu es puissant. De toute cette planète... Tu vaux mieux que ça! Souviens-toi, Veilin. Là, ils essayent de nous faire croire que Veilin va s'assagir.
va devenir gentille et tout à cause de ça. Mais non, hein, pas du tout. Du début à la fin, elle changera pas. Elle est trop atteinte. C'est fait exprès pour nous faire chier. Peu importe, j'entre, le trio. Elle mourra, moi non, ça je peux vous le garantir. Celui qui l'a tendu a commis une erreur fatale. Vette, avec moi. Les autres, tenez cette position. D'accord, c'est compris. Ouais, c'est le bordel, hein. Parfois ça arrive, parfois c'est... Parfois t'as aucun bug pendant 60 parties. Allez, on y va. C'est aléatoire, hein. Des fois on a des décos, des fois ça freeze, tu sais pas pourquoi. Oh merde, j'ai plus de... J'ai plus que 7... Merde, c'est quoi ça, putain, mais d'où est-ce qu'ils sortent ces trous du cul, là? Pendant que je suis en train de... Les robots de Portal! Prends ça, le mode multijoueur de Portal 2. Qu'est-ce qui m'arrive? Ils sont venus au mauvais moment, ces trous du cul. C'est complètement pourri, quand même. Connard. Je voulais refaire un stack. Voilà. Mais on n'a que 7, c'est ridicule. Il va falloir en acheter s'il faut. Alors, est-ce que c'est par là? Ok, c'est pas trop loin. C'est... Parfois, ça peut même freeze en dehors des cinématiques, hein, je veux dire. Prends ça. Quand t'es en plein in-game comme ça, là, ça peut très bien, prends ça. Ça peut très bien freeze, hein. Je sais pas trop pourquoi. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer ça. Putain, mais c'est pas possible! Et encore une fois... Allez, mais saute, bordel! J'essaye de le faire depuis 2 heures. Prends ça. On a perdu 2 heures avec ces conneries. Prends ça. Eh bien... il faut se rappeler que moi, j'avais eu un bug de ouf, hein, dans World of Warcraft. En fait, le tout premier PC que j'ai eu, qui était vraiment à moi, hein, je veux dire. Allons-y! Parce qu'avant, c'était un PC familial pour tous les membres. Eh bien, c'était un vieux Pentium. Des cellules énergétiques. Ça, là? Prends ça! Pas mal. Une source énergétique. Splendide. En voilà une. Ouvrez l'œil, il peut y en avoir partout. Mais il n'y a pas d'ennemis pour l'instant, c'est magique. Là, un deuxième. Ah merde! Eh ben voilà les ennemis. Oh putain! Concierge! Madame! Madame! Prends ça! Voilà un élite! Il vient nous faire des dégâts colossaux! Merde! Je suis crompé. C'est pas ce que je voulais faire. Prends ça. Ne bougez pas. Processus de... d'extermination en cours. Et non pas d'exter. Prends ça. Voilà, ça ira bien. Bon, ben il en reste plus qu'une. Et honnêtement... Je l'ai gardé pendant longtemps, et c'est avec celui-là que j'ai commencé à jouer à WoW. Mais très vite, avec Burning Crusade, les raids sur Karazhan, etc. Quand je jouais la plupart du temps, me déplacer, tuer des trash mobs, etc. Je sais pas où il est, le troisième. Ça allait. Mais quand tu vois que ça frisait pendant plusieurs secondes, et quand on était contre un boss, la dame de vertu, etc., et que je reprenais le contrôle 30 secondes plus tard, et je voyais que j'étais au cimetière... Quand t'es en raid et que ça dépend d'autres personnes, ça me faisait péter un câble. Hein. Ah, ici.
La reine, tout ça... La reine est par là. Je t'y attendrai. À tout à l'heure. Bien, splendide. Et honnêtement, ben ça m'a fait changer hein, de PC. C'est comme ça que j'ai eu mon deuxième. Là, je suis au troisième, hein, pour info. Et le deuxième, il a eu des couilles. Hein. Encore à cause de WoW. C'est une fois, je volais. J'étais en Drake, en monture volante, sur manuel hein, que je pouvais diriger. Pas un taxi, pas un griffon, je crois. Avec mon chasseur, hein, normalement, elfe de sang. Et d'un seul comme ça, mais freeze. Voilà, mais ça freeze le PC, hein. Pas seulement le jeu, hein. Donc pas comme là, hein. T'as juste à quitter le jeu, mais là, t'avais rien qui répondait, quoi. Donc je débranche sauvage derrière, tu sais, l'alimentation. Et je rebranche et je remets. Impossible de redémarrer, hein. Ça l'avait niqué, le truc, hein. Donc là, je le donne à mon père. Il change tous les composants, il change la coque et tout ça, elle devient plus grosse. Etc. Donc c'est toujours le même PC, étonnamment, mais avec en mode reboot, entre guillemets. De sorte qu'il puisse redémarrer. Et ben, c'est avec celui-là, où c'était à cette époque-là que j'avais fait Snake en vrai 8. Et c'est pour ça que le ventilo qu'on avait mis dedans, parmi les nouveaux composants, après l'avoir refait, entre guillemets, eh bien, ben, ça faisait un bruit de ouf. Ça faisait un bruit, mais c'était insupportable, quoi. Il était trop bruyant. Tu me manipules, toi aussi. Ah, c'est un droïde, je crois. Une vision, mais provoquée par les droïdes. Maintenant, elle va pouvoir sortir. C'est pas une vision de force, entre guillemets. Ils m'ont indiqué comment faire pour sortir, c'est très bien. Oui, donc là, normalement, il reste 27 minutes. Il faut que j'arrête quand il y aura marqué 37. 37 ! Vous êtes des humains ! Besoin de réponse, tu nous as conduit là. C'est hors de question. Je ne peux plus te faire confiance, Scorpion. Donc ouais... Et donc après, ben, j'ai... Quelques jours plus tard, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai... Parce que c'était pour les vidéos hein, que c'était chiant. Parce que tu le voyais dans l'épisode. Ça qui m'a fait chier, hein, pas pour moi. Hein. Et donc, ben, on l'a changé. Donc ça allait mieux après. Mais le problème, c'est qu'entre temps, j'avais tourné plein de scènes, et ça fait partie des défauts qui me cassent les couilles, hein, quand je regarde l'épisode. En tant que créateur, encore une fois, il y a plein de trucs qui me gênent. Alors que j'aurais pu hein, les virer avec Audacity, la suppression du bruit. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, mais bon. Je crois que même pour le 11, avec le bruit du frigo, je crois que je l'ai même pas fait. Donc voilà, le L4, c'est un petit peu bizarre des fois. Qui es-tu? Montre-moi ta vraie forme. Je suis Ariès, désolé de vous avoir fait cette blague. Mais Ariès, c'est une vraie pourriture, hein, en réalité. C'est un vrai trou du cul. Il se la joue servant, butler, etc. Mais... Oh, chapitre 5, God of War Ascension. Bien joué. C'est un idiot! Tu vois, elle nous le dit, là, hein. Il fait des expériences sur les humains, entre guillemets. Vous êtes fait pour vous entendre. Pauvre Scorpion. Ariès a de bonnes... Ariès a été là. Il nous a rendu ne jugez pas trop mal les droïdes. Là, il a chassé. Chassé Scorpion, hein, il a pris son... Je vous donne 1 sur 10. Laisse-nous partir en paix, comment ça échouer, tout le monde m'appartient quand même. C'était pas un test équitable. Processus d'extermination en cours. J'attendrai les prochains, en espérant qu'ils vont plus me satisfaire que vous. Salaud. Je refuse de jouer selon tes règles. Vette, j'ai une idée. Oui, j'ai compris ce que vous vouliez. Cette espèce de pont de lumière. Rendez-vous. Nous sommes chez nous ici. Saleté de droïdes, faudrait les exterminer. J'essaie de reculer. Alors là, on en a 3, étonnamment, là. Dispositif de super saiyan, vétéran... Savant, fermeté et qualification. Ah, c'est vrai qu'à partir de maintenant, ils vont faire ça, je crois. Ils feront tout le temps comme ça, il me semble, non?
Ça, c'est donc fermeté, c'est rempart, c'est tank. Ça, savant, ça veut dire, regarde, il y a de la lacrité, c'est un truc DPS magique. Et donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est qualification. Vous n'êtes pas assez qualifié pour ce travail. Laissez-moi prendre le relais. Bien, niveau 70. Splendide! On peut faire Karazhan maintenant. Quel humour, ce L4. Donc c'est une instance dans WoW, hein. Ça fait partie des derniers. Dernières de niveau 70. Allez, on y va. Tu te rends compte, on est déjà niveau 110, quoi. Donc là, on pourrait déjà, s'il faut... Ah, peut-être que c'est maintenant que je vais débloquer Jedi Under Siege. Peut-être que c'est pas le fait de finir Eternal Throne qui va te... Attention, c'est balèze ici, hein. Qui va te t'y donner accès, mais... Mais plutôt... plutôt. Prends ça. Les droïdes purificateurs. Putain, mais c'est une blague, il y en a trop, là. Il pète les couilles, putain. Je vais essayer de virer ce connard et de le foutre ici. Ouais, mais c'est un peu tard. Oh non, il est pas mort! Ça bug. Il y a une couille dans le potage. Oh putain, on va crever. Voilà, c'est de la merde. Bon, c'est vraiment relou, hein. C'est insupportable. Ah mais putain, mais faut pas me remettre ici! Mais t'as vu ça? Ça déclenche le combat tout de suite, je peux même pas me buff et tout là! On va se faire tuer à la chaîne! C'est nul à chier, putain! Ah si, j'ai une idée de comment on va faire, faut que je reste ici. Ouais, ça c'est la couille dans le potage, hein, regarde. Si tu te mets ici, devant leur point de spawn, je vais me laisser tuer, je vais me mettre ici. Voilà, là normalement je devrais pas les déclencher. Mais c'est vraiment de la merde hein, quand même, c'est trop mal foutu. Mais! Mais c'est trop pourri! Je peux même pas mettre vête en mode soin! Quoique. Bah non, on peut pas le faire en combat. Putain, on est foutu. En fait, ça me re-téléporte devant eux. Ça déclenche le combat tout de suite. Et je suis obligé de les tuer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fumé? Pourquoi ils ont fait ça? Je vais mettre Vette en mode DPS. Prends ça. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est de la merde. C'est complètement pourri, putain. Ouais, tout à l'heure, j'ai pas eu de bol hein, avec ce truc. Pourquoi ils ont fait ça? Quoi? C'est fini, là? Ça a pas reboot? Parce qu'on a tué moins que tout à l'heure. Hein. C'est complètement bouché. Oui, bah heureusement, hein, sérieux. Rends-toi utile, sinon ça va chier. Laisse tomber. Plus on reste ici, plus on a de chances de... Ça a pas reboot! On doit pas tout refaire. Mais on ne peut pas retourner par là, donc... Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça a pas reboot, on doit pas tout refaire. Ben, heureusement. Je sais qu'il y a une sortie, je sens du vent. À travers la paroi. Mais c'est le bordel, hein, c'est relou. Mais bon, on a fini, là, non? Exterminez-les! Jusqu'à présent, ils s'en sont toujours sortis vivants. Les probabilités de réussite ne sont que de 2%. En mode K2SO. Je vois, toi aussi, t'es un hologramme. J'y vais. J'en ai assez de discuter. C'est le bordel, hein, sérieux. Mais ça c'est pourri, hein. Ils auraient jamais dû faire ça. Hein. Ils auraient dû te faire repop contre le mur. Hein. Hors de portée de ces connards. Hein. Parce que là, déclencher le combat tout de suite ad vitam aeternam comme ça, sans te laisser le temps de te buff, etc. Bravo, tu survivras. Ne pense pas, sois sûr. Je fais confiance à tes instincts. On s'en sortira ensemble. On a vécu plein d'aventures ensemble, Vette. Dommage que... après vous, j'insiste. Dommage qu'on n'en parle pas. Que le jeu n'ait pas prévu ça.
Bon, je pense que c'est pourri. Allez, on y va. Sinon, on aurait utilisé Vett en mode DPS. Hein. La nécropole? Mais putain, qu'est-ce qu'ils foutent là, là? Ils en ont pas marre de leur combat de merde, là, prends ça. Eh ben, je pouvais pas passer, là. Huit. Prenez ça. Allez. Eh, c'est costaud. Je vais lâcher une bombe. On pouvait pas y aller, là, derrière la porte. Si je m'étais manié le cul. Je vais vous manquer. Ah, putain, c'est quoi, ça? Il y a la porte qui s'est ouverte, j'ai pas trop compris pourquoi. En fait, j'ai presque envie d'esquiver ces mobs de merde, hein, pour tout vous avouer. J'ai envie de m'enfuir. Et d'essayer d'aller le plus loin possible. Mais ça dépend de où ils vont nous faire repop, hein. 8. Mais bon, prends ça. Parce que si jamais ils nous font repop du début, ça vaut pas le coup. Mais s'ils nous font repop comme avec le combat, là... Le combat où ça relançait le combat tout de suite, ça nous faisait repop à l'endroit exact. Mais là, c'est vrai que j'en ai un peu ma claque. Je sais d'esquiver ces trous du cul, mais je promets rien. Il y a du monde ici. Localiser, c'est... Oh non, putain, il recommence avec ça, là. Je suppose qu'il doit y en avoir une ici. Là, on voit une déjà, mais c'est à côté d'ennemis. Ah putain, mais qu'est-ce que... Pourquoi c'est eux qui déclenchent le combat, là? Des droïdes. Prends ça. Moi, je croyais que c'était les autres connards, là. C'est pas grave. Mais ils font chier ces droïdes de Portal là. Prends ça. Le mode multijoueur de Portal 2. Culé. Voilà, comme par hasard, c'est... Putain, mais c'est incroyable. C'est les seuls ennemis de merde où... C'est eux qui m'aggro. Et c'est ceux où il n'y a pas de cellules. Ah, quoique. Ici, peut-être. Ah, putain, mais pourquoi? Mais t'es pas sérieux, là. Des cellules. Bon, je vais tuer ces connards, là, ça commence à me gonfler, ce combat de merde, prends ça. Tiens. Je suis stun, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, quand même, ça rigole pas, ce truc. Le fait de m'approcher de la porte, ça a fait pop ces connards de merde, là, qui font... Ils font une ronde, maintenant. Splendide. Je sais pas si ça va être trop gênant. Eh ben, c'est que la première, hein. Bonne chance. Oh putain, voilà pourquoi je me suis soigné. Oh oh oh, non mais ouais, génial quoi. C'est super. Ah, c'est super. Vas-y, attaque-moi. C'est pas possible, tu te fous de ma gueule là. J'espère qu'il n'y a pas ce droïde de merde à chaque fois, hein. Ça va être chiant. Tiens. Je me concentre. Oh putain, on n'est pas sorti. Hein. Ouf! Bien joué. Bon, j'en avais vu un autre ici, là. J'espère que ces droïdes vont pas nous aggro quand il faut pas. Faudrait pas pousser mémé là où il faudrait pas. Ils ont disparu, les autres trous du cul, là. Ils sont... Là, on voit un autre. Ok. Donc le troisième, il était pas ici, là. Je vais faire le tour. Eh ben! Là, ici. Prends ça. J'espère que ça va aller.
On va s'en sortir, vous inquiétez pas. Je vérifie cette porte, hein, si jamais elle s'ouvre. Bon, une fois de plus, avant de ramasser ce truc de merde, en plus on a récupéré ça, c'est très bien. Je me soigne à donf, hein. On sait jamais qu'il y en ait un qui apparaisse. Bien, de la paresse. Saleté de cellules d'énergie. Les coupleurs d'énergie. Allez, juste derrière. Prends ça. On y va juste derrière. Et puis la corde, d'où il vient l'autre? Ouf. C'est tendu, hein, quand même. Ils font des dégâts colossaux. Une fois de plus, je serais pas mécontent d'être parti de là. Une fois qu'on est parti, je sais pas si on peut revenir. Mais maintenant qu'on est niveau 110, je vais essayer d'aller à... Prends ça. Je vais essayer d'aller à mon vaisseau. Et de regarder une fois de plus, voir si... Prends ça. Voir si... S'il y a Jedi Under Siege qui est dispo. Non, c'est pas possible, c'est qui ça encore? Mais il y a personne là! Il est bugué, il est sous le sol! Trou du cul, va, prends ça. Comme ça nous était arrivé une fois, là. Un mob invisible qui me frappait. Pas taper. Allez, cinématique, quoi encore? On est d'accord qu'il reste, quoi, 17 minutes, là? Normalement, on est à 23 plus 24. Oh là, c'est quoi ce truc? Le conservateur! Ah oui, on va le ride, il me semble. On va en prendre possession. Hein. Ça va faire comme avec le AT-AT, là. C'est un petit peu relou. La clique de l'étrangère. La clique des mécaniques. Je vous écoute, encore toi. Je compte toujours te tuer. Si notre nouvelle sécurisé, échappé. Oui, on va prendre possession de ce truc, hein. On va rentrer à l'intérieur. Et on va mourir ici avant d'avoir... Encore une fois, devoir tuer plein d'ennemis. Personne ne mourra sans ma permission. Vous êtes encore à mon service, c'est compris? Remettez vos armures. Vous êtes vivante. Qui a dit ça? Que je l'étrangle. Des simples droïdes qui vous donnent des difficultés, ça pas du tout. Faites-les venir. Je récupère ma flotte. Ce n'est pas aussi simple. Prends ça. Si, c'est aussi simple. Pas question de discuter mes ordres. Qu'est-ce que tu y gagnes? On est en mode parano. J'ai l'intention de rester, je vous empêchais pas de partir. Coordonnées. Et voilà. Oh putain, faut le battre avant! Oh, fait chier. Je sais plus si on va le ride. C'est pas possible, ça finira jamais. Si, c'est ça. Putain, un champion avec 500 000 points de vie, on va devoir mettre en... mettre Vette en mode soin, on n'y arrivera pas. Même en admettant que ces trucs-là, ça fasse quelque chose. Allez, on tente, voir. Connecter la conduite alimente. Peut-être qu'une fois qu'on aura détruit ces 4 trucs... 3 ou 4 3, j'ai l'impression. Ça va lui faire 100 000 points de dégâts. Hein. Allez, prends ça! Ouch. Ouais, même ce truc, c'est pas une sinécure. Hein. Mais bordel, pourquoi? Ah, c'est bon, là, il faut pas le tuer. Hein. Il faut juste le mettre... Je vais attendre qu'il se réveille comme ça, là. Qu'il se redresse. Voilà, t'as vu? Comme ça, là. Ça veut dire qu'il est replié, il est désactivé, entre guillemets. Prends ça. Heureusement, eux, ils nous attaquent pas. L'autre, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Ah, c'est bon, là, regarde! Et faut y aller full DPS, là, je fais que de la merde. Prends ça!
C'est ça, là? Il faut répéter ce truc une dizaine de fois? Là, faut y aller full DPS, hein, si t'as des trucs. Mais c'est quoi, ces droïdes de merde? Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est pas grave, hein. Et faut recommencer. Voilà, ad vitam aeternam, jusqu'à ce que... Justement, ça m'arrange, hein, qu'il les répare. Brut. Allez, espèce de saloperie. On n'est pas dégueulasse. Mais bizarrement, j'ai l'impression que je me fais soigner, là. Eh ben, il est pas... il est pas tombé, là. Qu'est-ce que... Ah, ça, il n'était pas détruit. Voilà, c'est bon, on y va. Et là, faut y aller full DPS, hein, Jackie. Là, faut balancer tout ce que t'as dans le ventre, hein. On n'est pas trop dégueulasse, il a perdu presque la moitié de ses points de vie. Dès qu'il se relève, j'y vais, hein. Je re-tue les trucs, et etc, etc, etc. Prends ça ! Buit. C'est bon, là, il est dead, fais pas chier, là. Oh putain, c'est quoi ce truc? C'est bon, là? Il est... Parce que des fois, il... Ok, d'accord, il est carrément rentré dans le sol. Je sais pas si on va tenir. Dès qu'il se rentre dans le sol, on y va. Eh ben, c'est pas bon encore! Qu'est-ce qui va pas, là? Si, c'est bon! On y va, full power! C'est l'avant-dernier, voire le dernier. Mais heureusement, il fait pas beaucoup de dégâts. Hein. Prends ça, je t'attaque dans le dos! Brut, brut. Transformation Super Saiyan, c'est parti. Aucun terrien n'arrive à la cheville d'un saillant. Prends ça. Des muscles saillants. Je vais quand même me mettre en mode mes couilles. C'est bon là? Ouais, mais s'il m'attaque pas, ça va pas aller. Ah putain, j'ai pas pu me soigner de ouf. Allez! C'est long, hein, putain. Prends ça. Voilà, c'est maintenant qu'il fallait faire les missiles. Culé. Ah, là, je fais que de la merde. J'utilise pas les bonnes compétences et tout, c'est ridicule. Oh, attention, il est presque mort. On va la voir. Yes! Bien joué. T'as vu? C'est pas mal, ce combat. Parler à Vette! Oui, bah je me soigne. Il a disparu, on va pas pouvoir le ride. On aurait pu s'en servir, bien joué. C'était pas super dur. Il fait que de la merde niveau dégâts, mais... Mais c'est encore un boss qui fonctionnait de façon spéciale. Attendez, il faut que j'arrête à 37, hein, c'est ça? Vous voilà! Vous nous avez fait peur! Je vous l'avais dit qu'elle risquait rien. Le tunnel s'est effondré. Que s'est-il passé? On est juste tombé sur un droïde géant. C'est pas grave. Atterrissage, le toit, Cénotaph, Alliance. Mais je n'ai pas encore tenté de détecter ma navette. Vous pouvez la faire venir parfait. Pourquoi pas Cénotaph? Réfléchissez plus vite! Bonne idée. C'est différent. Le Cénotaph, il fonctionne pas de la même façon. À moins qu'on utilise ce droïde. Vous êtes commandant. Vous seul aurez pu avoir cette idée. Ça me plaît. Voilà. On va le... C'est énorme. Un petit coup de rafistolage et c'est pas grave. Les pouvoirs Sith, c'est difficile à réparer, hein, vous savez. Il a subi des dégâts externes, internes. Ça va pas du tout. Et donc, qu'est-ce qui m'a fait passer au troisième PC? C'est pas une histoire de freeze, de problème technique, même si au bout d'un moment ça rame. Hein. Au début, quand t'as un nouveau PC, t'es super content, t'as l'impression que c'est une foudre de guerre.
Un truc qui va à 300 à l'heure, et bizarrement, quelques mois plus tard, il est déjà pourri le truc, hein, déjà obsolète. Tu te demandes pourquoi. Et en fait, c'est en 2015, hein, je crois, que je l'ai pris celui-là, là, le troisième que j'ai pour l'instant. C'est pour les vidéos HD, voilà, tout simplement. Hein. Et pour rattraper un petit peu le retard sur les jeux PC, pouvoir faire tourner un petit peu, etc. Mais c'est vrai que bon, il est déjà pourri, hein. Ne vous inquiétez pas pour moi, c'est plus drôle ainsi, vous ne me serez d'aucune aide. Un char d'assaut terrestre. J'ai une impression de puissance dans ce truc. Ça va aller, vous en faites pas. Ah ok, d'accord, elle vient pas avec nous. On est tout seul là-dedans. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Ouais, c'est le bordel, hein. C'est histoire de PC. J'ai hésité à en racheter un autre, hein. Ça m'aurait fait 4 trucs. C'est un peu horrible, hein, quand même. Prends ça! Sourire sadique. Allez, on y va. Défendre vos partenaires, on est en mode champion! Oh, on est en vue FPS, c'est quoi ces conneries? Oula. Ah, attendez, j'ai quoi comme truc? On n'a pas déclenché le combat, on est d'accord, hein. 2 millions de points de vie, quoi. Alors, ce truc-là, mode réparation, lève un bouclier, ça nous empêche de dégâts, ça nous restaure, ça nous soigne, hein. Mais ça nous empêche d'agir pendant 15 secondes. Ça nous immobilise, hein. Volée de roquettes, pourquoi je peux pas le faire? 70 mètres de portée. On est trop proche, c'est ça? Pas de missiles chargés. Chargement des roquettes, voilà, ça je peux le faire tout de suite, ça va pas déclencher le combat, non? Ouais, tu vois, pendant 4 secondes, je peux rien faire, et ça charge les roquettes. Alors, piétinement, voilà, comme le AT-ST, et ça c'est une truc de base, hein, je suppose, ben on y va. Prenez ça! Piu, 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 piu. Oula, ça rigole pas, hein. Prenez ça, les roquettes. Ouais, ben on se prend des dégâts colossaux, hein, sérieux. Je vais les piétiner. Alors t'as vu, on est comme ça. Mais c'est clair qu'il vaut mieux se mettre en mode, je vais recharger mes roquettes, tu sais quoi. Faut pas hésiter à faire la réparation. Bon ça, on voit que dalle, c'est le foutoir. But, 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 but. Putain, mais y'a du monde ici. Prends ça. Droïde pourchasseur. Les pourfendeurs de cadavres. Je vais me remettre ça. Oh putain! C'est énorme le. Rien que l'attaque normale, elle fait des dégâts colossaux. Hein. Et des dégâts. C'est loin d'être de la merde, hein. En plus, ça repousse ça les fout au sol, j'ai l'impression. Hein, moi, ça. C'est le gros bordel, hein. Allez, je me soigne. Combien de temps de recharge? 15. On craint pas grand-chose, hein. Tuez-les. Je les ai assez vus. Ils vont regretter d'attaquer les leurs. Des leurres. On a posé des leurres partout. Prends ça. Piu, piu. On a même pas besoin des roquettes, hein, sérieux. Prenez ça. On les fout par terre. T'as tout foutu par terre, t'as tout gâché. Arrête, tu vas tout mettre par terre. Oui, et donc? Il faut continuer ça pendant combien de temps, là? L'ennemi en approche paraît à faire feu. Vous n'avez pas réussi à tous les arrêter. Il y en a qui ont réussi à passer. Non, c'est pas possible, fou de ma gueule, là. Oui, oui. Ah, ça fait que 9000. On fait 12000 avec notre attaque de ouf, là. Tout le monde en arrive. Tuez-les! Franchement, je pense pas qu'on va galérer. Hein. Prends ça! Là, t'imagines en étant à pied.
C'est juste infaisable. C'est juste impensable. Je vais détruire ces statues. On va lever le status quo. Je vais vous écraser comme des mouches. Vous allez être bon pour la ferraille. On va devoir vous mettre au rebut. Oh mais ça c'est quoi ça? Attention, il y a un mob de ouf. J'aurais bien voulu me soigner avant qu'il arrive, mais bon. Attention, il y a un élite, hein, ça va moins rigoler. Oups. Lui aussi, c'est un peu de la merde. Hein. 121 000 points de vie seulement. Oh, ça va. Il est en mode monolithe. Je vais essayer de focus lui, là. Ah, c'est plus facile qu'avec le ATS. T'es mes couilles, hein, prends ça. Un de moins. Mais s'il faut, il y en a plusieurs, attention. Allez, je me soigne encore. Tenez bon. On n'a pas encore reçu le signal. Ça, c'est le bordel ici. Je vois même pas qui j'écrase. Il y a ici que je t'écrase. Allez, prends ça. On est en mode bourrin. Alors moi ça. Dommage qu'on puisse pas le garder sur avec nous. Dans l'alliance. Ah putain, encore un élite. Oh, deux élites. Attention. Ça a moins rigolé ces conneries. Prends ça. Heureusement j'ai pas mal d'attaques de zone. Je sais pas si je leur fais des dégâts aux deux en même temps, là, je sais que tuer ce trou du cul, là. Je m'en doutais qu'il y en aurait plusieurs, hein, ça se voit. J'essaie de recharger. J'essaie de tous les toucher en même temps. Et ce qui est pas mal avec les roquettes, c'est que ça attaque en même temps que moi j'attaque, hein, t'as vu. Ça fait des dégâts supplémentaires, entre guillemets. Enfin, je suppose. Comment ça, 6900 absorptions, là? Prends ça! Je suis en mode droïde! Vous avez presque fini, commandant! On se demande d'où ça vient, ces droïdes. Prends ça! Ils sont en mode forge stellaire. Je vais vous réduire en poussière d'étoiles. Eh ben. Ah putain, encore un élite. Peut-être s'il faut, c'est le dernier, hein, allez savoir. Il me laisse pas de temps pour me soigner, c'est ignoble. Prends ça. Il y a encore plein de monde. Hein. Je le vois au radar, là. Il est indétectable au radar. Prends ça. Allez, je me soigne. Fuck you. Mais c'est clair qu'on est invincible. Hein. Sérieux, on craint pas grand-chose. Prenez ça. Vous n'auriez jamais dû vous mettre en travers de mon chemin. C'est quand même d'un autre niveau que... Prends ça. Ah, et encore un élite. Bon, après ça, si après avoir tué cet élite de merde... Prends ça. J'ai pas de nouvelles de mes coéquipiers, ça va chier. C'est quoi ce truc? C'est l'arroseur arrosé. Un arrosoir à droïdes. Prends ça. Bien. Quittez la cour de dommages. C'est des dommages et intérêts. Oh non! Mon droïde va rendre l'âme, je m'y étais attaché! C'est trop triste! Au fait, ça fait 41 minutes, hein. Là je pense qu'on va en être à 1h05, ce genre de truc, hein. Mais je me voyais mal arrêter avec le droïde, là. Dès que j'aurai repris le contrôle de mon perso, on se laisse là. Allez, on y va! On saute vers les étoiles! Je suis téléporté!
Les débris vont nous tomber dessus. Ouais. Bon, on peut enfin quitter cette planète, là. On s'en est encore sorti. On va écrire nos histoires dans un journal. Ça fera une histoire adaptée en film plus tard. Le capteur signale un autre vaisseau, celui de Scorpion. Il nous suit ? Ouah ! Ah ! Ah ! Mista Satan ! C'est moi qui... qui ai délivré la galaxie. Bonjour, commandant. J'ai quelque chose à vous montrer. Il y a un blocus. Vous pouvez pas partir. Il y a un bouclier hein, qui nous empêche de... Elle crache de la vapeur. Alors désactive-le. Oh, c'est pas possible, il se fout de la gueule du monde, là. Bonjour. C'était l'échauffement. Tu parles, mais tu n'agis pas. Tu as perdu le contrôle. Et on vient te régler. On va t'achever. On comptait pas partir avant de t'avoir détruit. Tu es trop dangereux. Inestimable, le recharge, défendre. Meurtrier! Cette arme devrait m'appartenir. Je vais t'anéantir. L'arme fait partie intégrante de... Si vous avez de... Attention, suggère, le dernier. Elle nous transmet les coordonnées. Ah merde, évidemment, faut l'affronter. C'est vrai, je me rappelle, il y a un combat avec lui. Tu veux te rendre utile? Alors tais-toi. Notre priorité est d'arrêter la pression, non, Colt. Ça ne durera pas, profites-en. Véritable usine à mauvais coup. Fais chier, on devait partir et ils ont... Ils ont ressenti le besoin de faire continuer, là. Je veillerai à ce qu'elle ne me fait tout ce que je... Ne vous en faites pas, Lana. Je reste diplomate pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Heureuse de vous l'entendre dire, commandant. On aurait très bien pu partir maintenant, ils se sont sentis obligés de rallonger ce... Il faut faire payer Ariès. On se revoit tout de suite. Allez, des étirements et on y va. Bon allez, je vous laisse là. C'est des droïdes. C'était le... On en a fini pour cette partie. On verra la suite... C'est quoi, j'ai envie de tenter un truc. Ouais, on verra ça la prochaine partie. Je vais me TP sur Odyssène. Hein. Parce que ça me remettra ici, hein, normalement. On verra ça à la prochaine partie. On vérifiera juste rapidement Jedi, je sais pas quoi, et on verra ça. Allez, à la prochaine partie.